Originaire de l'Extrême-Orient et de l'Asie centrale, la poire est cultivée dans les zones à température douce des deux hémisphères. Elle est l'un des fruits les plus populaires dans le monde. Bien que la poire puisse être cultivée dans les mêmes régions que celles où sont cultivées les pommes, elle n'a pas eu autant de succès. Elle est devenue en Chine, pays où elle a été cultivée en premier, le symbole de la justice, de la longévité, de la pureté, de la sagesse et de la gestion philanthropique. Bien que ce fruit symbolise la grâce, la dignité et la pureté, son arbre est l'expression du confort et de la noblesse. S'étant répandue de l'Anatolie à l'Europe, la poire a été appréciée par les anciens Grecs, puis introduite en Italie et en France, avant de se répandre sur toute l'Europe. Devenue populaire sur le continent européen, la poire est très vite devenue un symbole culturel. Elle a été introduite dans les années 1800 par les colons britanniques et français lors de la découverte du continent américain. Et ainsi, elle s'est répandue dans le monde entier pour sa saveur. La production mondiale annuelle de poires est de 25 millions de tonnes. Avec une production d'environ 20 millions de tonnes, la Chine réalise à elle seule 80% de la production mondiale. L'Europe se trouve au deuxième rang avec une production de 2,5 millions de tonnes, suivie au troisième rang par les États-Unis avec une production de 665 000 tonnes. La confiture de poire et la marmelade sont des aliments prisés sur les marchés grâce à leur goût et leurs arômes. La poire est aussi souvent utilisée pour donner du goût à de nombreux plats. En outre, elle est utilisée pour la production de purées, de mélasse, de pulpe de fruits, de fruits secs, de vermouth et de vin. La poire contient des minéraux tels que le potassium, le manganèse et le sodium. Elle est aussi riche en vitamines A, B1, B2, B3, B6 et C. De nos jours, il est évident qu'il est quasi impossible de pouvoir conserver des fruits et des légumes dans de bonnes conditions afin de pouvoir les distribuer aux consommateurs sans passer par une chaîne de stockage à froid. Le stockage à froid moderne joue un rôle important sur les économies nationales. Elle est la seule méthode pour conserver les poires dans les meilleures conditions possibles. Ce fruit libère rapidement son éthylène après la récolte et donc le processus de vieillissement commence. Arrêter, ou plutôt retarder le vieillissement de la poire, ne peut être possible que par le biais du refroidissement. De nos jours, grâce à un stockage adapté, il est tout à fait possible de trouver des produits de qualité sur les étals du marché. Le principal but du stockage à froid des poires est d'éviter la perte d'eau, le flétrissement, la détérioration physiologique et pathologique, mais aussi la maturité excessive du fruit. Afin de pouvoir les stocker pendant une longue période, le facteur principal à prendre en compte est celui de la température. Bien adaptée, elle sera décisive sur la durée de vie du fruit. Ayant des similitudes physiologiques avec la pomme, la poire est d'autant plus simple à entreposer en chambre froide que beaucoup d'autres fruits, mais ceci uniquement si les conditions sont adéquates. Selon sa variété et sa provenance, la poire est entreposée à une température variant de moins 0,5 à plus 2,5 degrés. Cependant, le critère le plus important dans le stockage des poires est celui de l'expérience. Aussi bien pour les poires que pour les pommes, l'entreposage sous contrôle atmosphérique donne de meilleurs résultats. L'utilisation simultanée des systèmes nommés 1MCP et des systèmes de contrôle atmosphérique sont très efficaces en termes de durée de conservation. Mis à part un meilleur stockage et une durée de vie plus longue des étagères, cette technologie de pointe est une source de rentabilité et de profit pour les investisseurs. La poire est un fruit difficile à trouver. C'est la raison pour laquelle sa valeur marchande est élevée. Il est donc important de la conserver dans de bonnes conditions. Bien que le nombre d'usines de stockage à froid avec contrôle atmosphérique ait augmenté ces dernières années, seule une poire sur quatre est stockée dans des chambres froides de qualité.